une à chaque tête et une de chaque côté. Alors que les autres modules, il y a deux ports, une à chaque. Il y a deux jonctions, quoi. Ça, là, c'est la centrale. Voilà. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, parce que vous avez dû entendre, dans le département, il y a quatre modules comme ça. Donc nous, on en a deux. Il y en a un à Chambéry et un en Maurienne. Mais le seul module central, c'est celui-ci. Après, on a trois autres pièces, donc cisinothérapie, ce qu'on appelle identification et médicale. Donc on va déballer, on verra dedans ce qu'il y a. On verra pas ce qu'il y a dedans. On a des couvertures dans des documents comme ça, des tables, des chaises, les supports brancards, les brancards. Donc là, en moyenne, 6 brancards. Avec, on a donc du matériel oxygéno, on peut fournir une bouteille par brancard, et puis après des couvertures, etc. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut fournir de l'électricité quasiment partout. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Les brancards, ouais, donc là vous voyez, il y en a deux. Le troisième, il irait dans la dernière travée au fond. Voilà, il n'en faut pas plus, hein, parce qu'après, pour tourner autour, pour médicaliser. Dans les caisses derrière, nous. On a une caisse, ce qu'on appelle médicale. Elle est marquée médicale 1. Dedans, on retrouve tous les draps, des draps usage unique, des housses mortuaires, des couvertures de survie et des gants. Voilà. Donc les gants, faut le mettre à disposition. Et puis voilà. Couverture de draps usage unique, c'est ce que je disais, si on a besoin d'isoler et de faire une cloison au milieu d'une tente, et ben on sert ça.